Hey, salut à tous, c'est Rem27 et on se retrouve pour un petit tutoriel. Voilà, je vais vous montrer pour ceux qui m'ont beaucoup demandé comment on faisait pour partager un code Magneto VS. Voilà, donc je vais vous montrer un petit exemple. Voilà, donc il faut aller à la place Festival. Il faut activer bien sûr votre connexion Wi-Fi. Moi, ce n'est pas fait donc je vais le faire. Hop là, j'espère que je ne serai pas ban par Nintendo, ce serait quand même dommage. Vous allez dans le coin combat, par exemple, hein, je vais vous montrer comment enregistrer un combat. D'abord, donc voilà, on se connecte à internet. Donc, on va faire un combat contre quelqu'un de random, tout simplement. Et puis, on va enregistrer le combat. Donc, en attendant qu'on affronte et qu'on trouve un adversaire, je vous mettrai sûrement la vidéo en accéléré. Donc, voilà, c'est bon, j'ai trouvé un adversaire. On va. Inscrire les Pokémon, voilà, au pif, on va directement fuir, hein, on va pas s'embêter, hein, c'est juste pour le tutoriel. Voilà, on n'a plus qu'à attendre qu'il sélectionne ses Pokémon. Voilà, le combat commence. Voilà. Un personnage qui est stylé devant nous. Bien habillé. Bon, bref, nous on s'en fout du combat, on va fuir directement. Voilà, on va le laisser gagner. De toute façon, j'ai pas choisi les bons Pokémon. J'ai mis au pif. Donc voilà, on va directement fuir. Voilà. Je fuis le combat. C'est normal. Donc il a une victoire en plus, tant mieux pour lui. Bon, je suis désolé à cette personne de lui avoir fait perdre du temps si jamais elle passe un jour ici. Donc communication, veuillez en cours, veuillez patienter. Et là, ils vont nous demander normalement si on veut enregistrer le combat. Vous faites oui. Et voilà. Le combat s'est enregistré. Maintenant, je vais vous montrer comment on va pouvoir le publier afin d'obtenir le code Magneto VS. Vous allez aller dans le château. Donc voilà, là j'ai fait l'exemple pour un combat, mais ça peut être après un combat avec un ami. Vous allez dans ce PC, vous faites connexion aux vidéos de combat. Donc ça vérifie dans la carte SD. Ça va vous permettre de voir les combats que vous avez. Et vous faites publier une vidéo de combat. Voilà, donc ça c'est le dernier combat qu'on a fait. On va le sélectionner et on va aller sur la flèche là qui ressemble à un download. Et voilà. Donc là, vous faites publier en ligne. Donc comme vous l'avez lu, Pierre vous mettrez pause. Il me semble qu'ils ont dit qu'elle sera publiée le lendemain. Quelque chose comme ça. Donc on peut aussi cesser de la partager. Donc comme vous le voyez, il y a un code Magneto VS, c'est comme ça que j'appelle comme ça, bah, c'est logique. Vous pourrez entrer, vous pourrez visionner le combat. Bon, il n'est pas passionnant, vous n'avez pas intérêt à l'envoyer à Fidrong pour faire un troll. Et voilà, maintenant vous avec ce code vous pouvez le voir. Je vais vous montrer comment maintenant. Et vous faites rechercher une vidéo de combat. Vous mettez par exemple le code qui s'affiche et vous allez voir bah, justement le combat. Donc je vais faire une petite ellipse histoire de revoir le code. Du coup, bah je ne l'ai pas noté, donc à tout de suite. Et voilà, du coup j'ai mis le code Magneto VS, on va faire OK. Et voilà, on trouve comme par hasard le mien. Donc vous pouvez le visionner du coup. Et c'est comme ça que moi j'obtiens vos combats et que je les record. Voilà. Je lance par exemple le combat. Et je mets pas ma voix, je mets le son du jeu en sorte que vous pouvez parler par-dessus comme moi là. Et voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si jamais vous voulez que je recorde du coup vos combats, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, contactez-moi sur les réseaux sociaux qui sont en description. Je n'aime pas avoir des commentaires qui me demandent où il n'y a que des codes Magneto VS. J'ajoute que par demande sur les réseaux sociaux. Donc vous retrouverez mes réseaux sociaux en description. N'hésitez pas à aller checker du coup la description. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. J'en ferai sûrement un pour les jeux de la 6e génération, parce que je fais aussi pour la 6e génération si ça en intéresse certains. Bref, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne matinée, une bonne journée, tout dépend à quelle heure tu regardes ça. Prends soin de toi, bye tout le monde.